Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans le monde merveilleux des contrôleurs, on va regarder les contrôleurs à roulettes. Alors là, je vous fais défiler des contrôleurs haut de gamme, magnifiques, mais il y a aussi AliExpress, et tout est moins cher. On trouve de tout. Alors, dans le monde merveilleux des contrôleurs macro, moi j'en cherchais un avec un max de roulettes. Et il y a un modèle qui est un peu à la mode depuis quelques temps, c'est le 12E4, comme 12 touches, 4 molette, c'est pas mal, paraît-il. En tout cas, ça fonctionne avec un logiciel qui s'appelle Via C. Mais moi, je voulais un écran. Alors, j'en ai trouvé un qui est plus récent, qui ressemble, sauf qu'il a un petit écran. Mais en fait, c'est pas du tout le même. D'ailleurs, c'est pas du tout le même logiciel. C'est quasiment le même prix. Et j'ai pris le risque parce que, bien que j'ai trouvé juste un review chinois, donc je ne comprends pas grand-chose. Mais ça avait l'air de marcher en tout cas. Moi j'ai pris le risque et je me suis fait livrer ça en 10 jours seulement. Avec donc son petit câble USB-C. Un petit sachet qui contient les switches, tout un tas de choses. La carte mère, donc super important. C'est du hot plug pour les switches. Voilà. Et puis toutes les pièces. Hein. Donc là je m'apprête à faire l'assemblage. Alors c'est rien d'extraordinaire. Hein. Ça prend un peu de temps, il y a beaucoup de petites pièces, et surtout, il faut respecter l'ordre de construction. Alors voici une touche, c'est des touches qui ont un capuchon, on peut y glisser une étiquette pour les personnaliser. Ça, c'est des switches Brown, pas sûr de la marque, pas sûr qu'il y en ait une. C'est du standard. Donc là, je vais rajouter des petits spacers, des entretoises. Comme on dit dans la langue de Molière. Donc il y en aura pas mal à visser comme ça. C'est vraiment des toutes petites vis. Alors là, j'ai mis la carte mère par-dessus les entretoises. Puis de nouveau, des petits spacers un peu plus petits. Ensuite, on met la top plate. Donc la plaque au-dessus. Quoi. De nouveau, des petites vis. Et voilà, on continue. Les petites vis. Alors, juste pour indication, ce genre de clavier a sa configuration dans un chip qui est à l'intérieur. Donc le logiciel sert à configurer l'appareil, mais une fois que c'est fait, il n'a plus besoin du logiciel d'accompagnement, bien que ce dernier ait des petites fonctions sympas. Alors attention, lorsque on met les switches comme ça, si jamais par malheur les pins sont pas bien droites, vous pouvez vraiment foutre en l'air votre pin. Donc faites bien attention, il faut regarder à chaque fois. Bref, pour en revenir au logiciel, il a aucun éditeur qui est enregistré, c'est-à-dire avec un certificat. Donc ça, déjà, ça déclenche des alertes Windows, qu'on verra tout à l'heure. Et puis, comme c'est un genre de logiciel qui capte les titres de fenêtres pour adapter la configuration en temps réel, qui peut aussi intercepter des combinaisons de touches pour faire l'enregistrement des macros, eh bien, il est vu comme un malware par aussi bien Google que peut-être votre antivirus. Donc ça, il faut le savoir. Alors le matériel, il est sympa, hein, ça clique bien, ça... Bon, rien à dire, c'est du matos sympa. Alors là, c'est le premier boot, ça s'allume, c'est magnifique. Et donc on arrive dans la configuration par défaut, où il ne se passe à peu près rien. Donc je vais installer ici le logiciel qui vous aura été transmis par le revendeur après que vous ayez fait la demande, parce que bien sûr qu'il n'y a rien dans la boîte, ça, gros mystère. Alors voilà Windows qui flippe parce que l'éditeur n'est pas enregistré. Ça c'est la petite fenêtre flottante, on en parlera tout à l'heure, elle est intéressante. Et voici le logiciel en chinois. Mais rassurez-vous, si vous allez dans les paramètres, donc l'engrenage, ici vous pouvez choisir English. Faudra juste penser à redémarrer le logiciel et il ne suffit pas de quitter la fenêtre principale, il faut également aller par en bas, ici, aller sur la petite icône et cliquer sur Quit, Quit en chinois. Quand vous le relancerez, là, de nouveau la petite fenêtre flottante, on y reviendra, et là, c'est tout en anglais, enfin tout, presque tout. Hein. Donc il y a des choses qui sont peu ou pas traduites, globalement on s'en sort, mais là il y a quand même les media keys, vous allez voir, où c'est pas du tout traduit. Vous pouvez screenshotter ça et envoyer ça à Google Translate et vous allez tout comprendre et c'est pas compliqué. Donc là on voit qu'il y a 4 couches,
qu'on peut paramétrer. Donc pour que configurer une touche, on double-clique dessus pour lui donner un nom. Enfin, vous pouvez marquer n'importe quoi, mais enfin la touche là ici, c'est ce qu'on va faire. A. Et puis vous pouvez par exemple faire un appui sur la touche, la touche A par exemple. Alors ça c'est un appui basique. Il va appuyer et relâcher. Mais si vous avez besoin de contrôler finement le moment où ça relâche, du coup là ça se décompose en deux choses, vous allez voir. C'est-à-dire qu'en fait chaque touche elle a deux états, l'état key down et key up. Donc quand on appuie sur l'événement key down, on va faire la touche W down. Et quand c'est le relâcher de la touche, on va faire le relâcher de la même touche. Voilà. Bon, alors ça c'est pour une touche. Pour ce qui est des molettes, elles ont 3 ou 4, enfin normalement 4, événements, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre, donc clockwise, counterclockwise, et puis l'appui et le relâcher. Alors là, je vais faire un truc que vous connaissez probablement pas, c'est le Microsoft Surface Dial. Alors Surface Dial, c'est un contrôleur Microsoft qui est une roulette. Ça tombe bien, on a une roulette ici. Et donc je fais un mapping tout simplement entre chacun des événements de ma roulette ici avec ce qui serait un Surface Dial Microsoft. Donc le Surface Dial Microsoft, ça se paramètre dans Windows, littéralement. C'est-à-dire qu'en fait dans la configuration de Windows, vous allez taper, je crois qu'ils appellent ça molette, et vous allez pouvoir affecter un menu qui peut être contextualisé au logiciel. Je vous fais la démo juste derrière. Alors là, c'est la config. Il faut faire download. Là, je ne vais pas cliquer. Et voici le menu de configuration de Windows que vous allez trouver dans les paramètres. Donc la molette. Donc vous pouvez configurer, rajouter des actions et puis faire dépendre les configurations d'un certain logiciel qui serait ouvert à ce moment-là. Voilà une petite démo, voilà, bref j'appuie, il faut faire un appui un peu long, puis ensuite elle apparaît, on tourne, on clique, et puis ça permet ensuite de passer dans le mode indiqué. Alors pour l'écran c'est des petites icônes, enfin des icônes des BMP en fait, 24 bits, qu'on va pouvoir complètement changer, il suffit de cliquer dessus, d'aller en piocher un autre. Vous pouvez aussi ramener les vôtres, en faire soi-même, c'est ce que j'ai fait, vous allez voir tout à l'heure. Et ça vous permet d'avoir un écran qui, d'un seul coup d'œil, vous savez dans quel mode vous êtes et à quoi servait la foutue molette numéro 3. Donc ça, c'est la raison de mon achat de ce produit en particulier. Donc après, quand on a des images, il faut cocher absolument ce petit truc. Et là, il va télécharger la config plus toutes les images. Alors là, on voit ici l'écran. Il est bien net. C'est tout petit. C'est tout petit, mais c'est bien net. Donc là, c'est une icône Fusion 360. Là, c'est une icône Vegas que j'ai fait. L'icône principale, celle-là, elle sert pour la première, la deuxième, la troisième roue. La quatrième, elle est en bas. Il y a un indicateur pour indiquer si vous êtes en caps. Après, c'est RGB, et puis ça, c'est des infos. Alors, il y a trois modes. Il y a ce que j'ai mis là, c'est l'uptime. Il y a moyen d'afficher la batterie si vous êtes en mode Bluetooth. Et puis, le CPU du device. Alors, voilà ma config à moi. Donc, sur la couche 0, je me suis mis... des touches médias là, puis deux trucs de quoi lancer le gestionnaire de tâches et le 3 bricoles. Sur la config 1, c'est pour Fusion. Donc là, j'ai mis de quoi changer de point de vue, et puis de faire des orbites horizontales, etc. Et ça, c'est pour mon Vegas, donc je peux avancer frame by frame, ou rapide. Et puis là, pareil, pour naviguer, faire play, etc. La dernière, je m'en sers pas pour le moment. Alors mes petites icônes perso, j'ai changé donc les deux du milieu, les colonnes là, et puis les petites roulettes là, pour symboliser ce que c'était. Le logiciel marche pas si mal, et voilà la fenêtre flottante. Alors celle-là, elle est pas si bête, parce qu'en fait elle vous fait apparaître la config en cours. Alors là je fais tourner la première molette, elle est par défaut affectée au changement de layer, de couche. Mais il y a une autre fonction qui vous permet, en fonction de l'application lancée, d'activer la bonne config. Donc là, je lance Vegas et hop, elle a changé. Vous n'avez peut-être pas vu. Regardez bien, je vais l'iconiser. Attention. Voilà, vous voyez, ça a rechangé. Et hop, ça a rechangé. Donc ça s'adapte au logiciel. Donc il regarde en fait le titre de la fenêtre active, s'il y a un mot-clé dedans. Alors, la petite démo là sur Fusion. J'utilise donc cette molette là pour faire tourner la pièce, toujours sympathique.
Et puis là, c'est sur Vegas. Donc là, c'est frame by frame. Et là, c'est en mode fast. Et puis la fonction clic, je m'en suis servi pour couper. Donc là, on clique, hop, ça coupe. Très pratique. Hop, hop, ça coupe. Ah, c'est formidable. Un plaisir. Alors, ils ont fourni un petit fichier avec les PDF et l'exe et tout ça. Un petit fichier STL, mais il était trop serré. Donc, j'ai dû le réimprimer en augmentant un peu sa taille. Bon, au final, voilà ce que ça donne. C'est pas indispensable, hein, honnêtement. Mais voilà pour le look. J'espère que ça vous aura plu. Faites-moi un petit like. Moi, je suis satisfait, en tout cas. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Ça me permettra de mieux répondre à vos attentes la prochaine fois. Et sur ce, je vous dis à bientôt !